Bonjour à tous, c'est CBMAT et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le dossier de CAPES de mathématiques. On va aujourd'hui aborder un problème de probabilité et de jeu de 3D. Donc, on va faire donc un lancer de 3D et ensuite on prend la somme des faces des 3D. On va calculer les probabilités d'avoir 9, d'avoir 10, etc., etc. Dans cette vidéo, je vais m'attarder sur la correction du problème et à la fin de cette vidéo, je vais proposer un algorithme qui permet de répondre au problème. Bien, allez, je vais laisser Virginie lire l'énoncé du problème. Arnaud et Bernard jouaient à un jeu de dés. Le jeu consiste pour chacun d'entre eux à choisir un nombre compris entre 3 et 18, puis chaque joueur lance 3 dés cubiques équilibrés et calcule la somme des nombres portés par les 3 faces supérieures. Arnaud choisit le nombre 9, Bernard le nombre 10. Qui a le plus de chances de gagner ? Le but de ce problème, c'est de savoir quelles sont les combinaisons pour avoir qui obtient la somme de 9 et la somme de 10. Donc alors, pour commencer, la somme minimale des faces de 3D, eh bien c'est 3, obtenu par 1, 1, 1. 1, 1, 1, 3, 1, donc c'est répété 3 fois, donc il y a une seule possibilité d'avoir 1, 1, 1. 4, 2, 1, 1. Voilà, donc là, pour 4, on peut avoir 2, 1, 1, mais on peut aussi avoir 1, 2, 1 ou 1, 1, 2. Donc il y a 3 possibilités. Donc quand il y a 2 nombres, 2 chiffres identiques, il y a 3 possibilités d'obtenir cette combinaison. 5, alors il y a 2, 2, 1 ou 3, 1, 1. Donc ici, on a 3 possibilités. Ici, on a 3 possibilités. Il y a deux nombres identiques. 6, on peut avoir 4, 1, 1. On peut avoir 3, 2, 1. On peut avoir et 2, 2, 2. Voilà, 2, 2, 2. Donc 4, 1, 1, il y a deux nombres identiques, donc 3. Ici, les trois nombres sont différents, donc ici, on peut avoir 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 et 3, 2, 1. Donc on peut avoir 6 possibilités. Et 2, 2, 2, eh bien, il n'y en a qu'une. Donc ça fait 10. Alors, on va maintenant faire ce qui nous intéresse, donc... Arnaud va prendre le 9. Donc pour avoir 9, ben, on peut avoir 6, 2, 1. 6, 2, 1. On peut avoir 5, 3, 1. 5, 2, 2. On peut avoir aussi 4, 4, 4, 1. 4, 3, 2 et 3, 3, 3. Donc ici, 3 nombres différents, donc ça fait 6. Ici, 3 nombres différents, ça fait 6. Ici, 2 nombres identiques, 3, 3, 6 et 1. Donc 6 et 6 et 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc il y a 25. Possibilité d'avoir le 9. 10. Donc 10, on peut avoir 6, 3, 1. 6, 2, 2. 5, 4, 1. 5, 3, 2. 4, 4, 2. Et 4, 3, 3. Donc ici, on a 6 possibilités. Ici, 3 possibilités. Ici, 6 possibilités, ici, 6 possibilités, ici, 3 possibilités, et ici, 3 possibilités. Donc, on a donc 6 et 6 et 6, 18. Et on a 6 et 6, 24, plus 3, 27. Donc, il y a 27 possibilités, ici, 25 possibilités. Donc, au total, il y a 216 combinaisons. Donc là, on va noter l'événement A. Donc, c'est Arnaud. Gagne la partie. Et B,
Bernard gagne la partie. Alors, P de A, donc c'est la probabilité que il y a un 9 qui apparaît, donc c'est 25 sur 216. Et P de B, c'est 27 sur 216. Donc ici, celui qui a le plus de chances de gagner, ce sera Bernard. Autre possibilité, donc autre raisonnement pour résoudre le problème. Eh bien, avec 2D, on peut faire la somme de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et ensuite, pour le troisième dé, on peut avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. On énumère les possibilités. Donc ici, c'est 2 plus 1, 3, etc., etc. Voilà. Alors ensuite, possibilité d'avoir un 2, bah, une possibilité d'avoir 2, deux possibilités d'avoir 3, trois possibilités d'avoir 4, quatre possibilités d'avoir 5, cinq possibilités d'avoir 6, six possibilités d'avoir 7, etc., etc. 4, 3, 2 et 1. Donc ensuite, on regarde. Donc on va voir les 9. Donc ici on a 5, 6, 5, 4, 3, 2. Donc pour avoir P de A, eh bien c'est, donc on a un total de 216. Eh bien ça va être 5, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Donc la somme 5 plus 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. Et la probabilité d'avoir un 10. Alors on va la noter. Donc là ça va faire 25 sur 216. On verra. Donc ici on a 4, 5, 6, 5, 4 et 3. Probabilité P, ça va faire 4 plus 5 plus 6 plus 5 plus 4 plus 3 sur 216. Alors ici un petit problème, il n'y a pas de 1 ici. 5 plus 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 pour avoir la probabilité que Arnaud gagne. Et la probabilité que Bernard gagne, eh bien ça va être 27 sur 216. Et donc on retient que Bernard a plus de chances de gagner. Alors, on va revenir sur la production d'un élève qui nous a donné un algorithme sur Algobox. On va le programmer sur Algobox. Et ici, le problème, bon déjà, i variant de 1 à 20 à 100. Donc déjà, pour tester un nombre de parties. Il faudrait peut-être que ce nombre de parties soit supérieur au nombre de possibilités totales de faire une somme de 3D. Donc ici on peut mettre 1000 ou 10 000. Et ici il dit on choisit un entier R au hasard entre 1 et 6 et on dit S est égal à 3R, 3 fois R. Donc en fait c'est comme si qu'on lançait un dé multiplié par 3 cette face. Or, ce n'est pas cela qu'il faut faire, c'est il faut d'abord lancer un dé, ensuite lancer un autre dé, et ensuite lancer un dé. Donc avoir trois variables indépendantes qui prend un entier au hasard entre 1 et 6, et ensuite faire la somme. Donc, sur Algobox, donc on va programmer l'algorithme qui permettra de modéliser le problème. Donc on va prendre A, c'est le nombre de fois que Arnaud gagne, B, nombre de fois que Bernard gagne. Ensuite, on va prendre les nombres de dés, donc R, S et T. Et on va faire la somme de R, S et T. Donc alors, le début. A prend la valeur 0. Alors, il faut aussi une variable pour la boucle pour. Donc B prend la valeur 0.
Donc pour i allant de 1 à 1000, enfin pour alors R prend la valeur à l'algobox adhérente 1 à 6. S prend la valeur algobox 1 à 6. T prend la valeur aléatoire 1 à 6. Donc la somme, on va faire la somme R plus S plus T. Alors si la somme égale à 9, alors début 6, donc A prend la valeur A plus 1. Voilà. Si la somme est égale à 10, alors début 6. Voilà. P prend la valeur P plus 1. Voilà, et ensuite ben, on afficher N, E, A et B. Okay. Donc c'est pas prendre la valeur, c'est E du type. Alors, hop, voilà. Donc, hop. Donc voilà, donc l'algorithme va se lancer comme ceci, et donc on va revoir, donc 101, 118, on relance, 112, 124, 113, 128, et on remarque que à chaque fois, Bernard, ah ici non, Bernard a plus de chances de remporter la partie. Et bien voilà pour ce dossier CAPES de mathématiques. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous avez des problèmes sur la probabilité, vous pouvez poster sur la page Facebook distributeur de problèmes math. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie du prochain épisode, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CB Math. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.